peut vouloir jouer Jandy, c'est sympa parce que évidemment si t'as les bêtes c'est cool, mais le challenge aussi c'est sur des games où t'as pas bête quand même réussir à faire des choses. Bon, il n'y a pas méca dans cette game, donc dans tous les cas le jeu ne pourra pas me forcer à aller jouer méca. Ça c'est une bonne nouvelle. Amoul. Je trouve que c'est cool qu'ils aient remis Amoul. Je m'attendais pas forcément à ce qu'ils reviennent dans le jeu. Je vais vous montrer un petit Trex. Mais je sais pas si c'est utile. c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Je sais pas. Oh, c'est dommage. Mais pour moi, c'est quand même vous qui avez gagné. Ok. Eh, c'est les probas, hein. Sans le petit Trix, on avait une hyène à côté. On va se retrouver avec un 50-50 de toucher le trip tout de suite. Et je sais pas trop quoi en penser. Bon, on perd ici. Ok. Je Alors, oula. Question, c'est est-ce qu'on fait ça? J'aime pas parce que si j'échange avec ça, je vais me retrouver avec board vide et je vais me faire péter la gueule. Potentiellement contre le Naga et j'ai pas envie de ça. De quoi sont-ils faits? De quoi sont-ils faits? Ils Bon sont là en l'occurrence il avait rien, mais je perdais aussi le Ils boost sont du... Voilà de quoi les puretins Je sais sont faits. pas. Eh ben, vous leur en avez fait voir de toutes les couleurs. Oh, coup dur. J'ai trop envie d'aller chercher un 5 avec ce triple. Je sais que je vais prendre du dégât à cause de ça, mais... Bon, c'était la seule option. Au pire, je serais allé chercher un 4 si le jeu me l'avait donné comme ça. Mais je pense que les 5 sont vraiment bien là. Et peuvent bien synergiser avec mon pouvoir surtout. Donc ça me semble juste correct de vouloir aller prendre un 5. Pas de chance ici, on s'est affaibli. Vous vous en sortez très bien, ne changez rien. Oh, le relou.
4 points de dégâts, après c'est pas la fin du monde. C'est quand même moyenne haute par rapport à ce qu'il pouvait me faire. Faut dire, j'ai mis des bons hits de con. Yay! Bon. Prochain tour, on va récupérer. Du coup, fini de prendre des baffes. On va récupérer notre 5. Et on voit, hein. En fonction de ce qu'on récup. Le truc, c'est que si on récupère Mama, ça synergise bien avec notre pouvoir. Si on récupère Urzul, c'est pas si horrible que ça. Si on récupère Nomi, c'est ok aussi. Après, il y a aussi des trucs qui peuvent être un peu horribles, mais... Deux tours où t'aurais pu geler avant d'HP. Oui, c'est vrai. Non, ça a amélioré un peu mes chances. Je suis d'accord que c'est ce que j'aurais dû faire. Je m'en suis pas tenu à la strat. Je suis d'accord que c'est ce qu'il fallait faire. Je vous montre des tricks et je respecte pas moi-même les tricks, quoi. C'est honteux. Ouais, il est nettement mieux que moi, lui, hein. Le truc, c'est que Bran sans Murloc, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas moi. Tente des choses. On tente des choses. Mais Roson, c'est fun. Bon, là, ça a été fort en vrai. Hein. Ça m'a donné des bons petits trucs. Plus que fun, je considère que ça a été fort. Oh! Quand ça va me donner. Quand ça va me donner Tarek Goza sur le truc là. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts pour Tarek Goza ou pas? C'est obligé, non? 20% c'est 100% non? Je n'ai jamais douté de vous, pas une seule minute. Putain, ça dégoûte quoi. Oh, vous pensez qu'il a chaté lui sur ses Zerus? Il a l'air de fracasser tout le monde. Il va falloir que je trouve une meilleure cible que Murozon. Hein. C'était bien mignon pour le moment. En vrai, ça n'a pas été horrible en termes de stats à porter sur mon board. Mais là, maintenant, il va falloir trouver mieux. Alors quoi? Je ne sais pas encore. Mais il va falloir trouver mieux.
Et non, c'est pas mieux de mettre promo Drake sur ça, parce que du coup, ça veut dire que je ne lui donne que des points de vie d'utile. Lui donner de l'attaque ne sert à rien, il a déjà 26 d'attaque, ça tuera déjà tout. Donc ça veut dire que je lui donne, au moins en donnant aux autres créatures, les points de vie comptent, mais l'attaque aussi. Ok, je vois, je vois. À quoi on fait affaire? Oh, on aurait pu sniper tellement plus de trucs en plus avec lui. Waouh, ça dégoûte. Allez, ok, franchement, on s'en sort bien. Monsieur est des Taverne 4. Bah, il a dû avoir Goldrin du coup sur ses trucs. Ça dégoûte. C'est vrai que j'ai pas le temps de faire une transi bête là. Oh my god. Ah. Peut-être que si en réalité. Oh! Attendez, on peut peut-être avoir le triple là-bas. Oh! En vrai, Gangré Crabouilleur, hein. Oh! Aha! Qui c'est qui chatte maintenant? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sait ce danger là? Putain, il faut des Murozons hein, contre lui encore. Murozon contre lui, c'est les nuts, hein. Putain, j'aurais dû le garder. Oui, bah, je pense. Mais on va le retrouver, c'est pas grave, hein. Oh. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. Mais, ah oui, non, de toute façon, je peux pas vraiment faire autrement. Est-ce que c'est pas ça le mieux comme ça, même si. Ouais, je pense que c'est ça le meilleur placement. Pour crinière devant. Bah pour les boosts de. Ouais non mais si crinière devant c'est mieux. Parce que du coup ça fait des boosts sur Gangropter. Et surtout j'ai plus de chances que crinière meure tant que Mama est en vie. Moi qui ai dit ouais, ça va être dur de switch bet. Pas si dur que ça en fait. Il me fait un peu peur lui. Ça va. Il m'a un peu fait peur quand même, hein, mais ça va.
Quand tu joues bête et que ton adversaire start avec un cyclone doré... Là, faut trouver des bons trucs. Oh, on va prendre ça tous les jours. Il nous faut un taunt, c'est important. Oh! Ah ouais, mais est-ce que je dois pas... Je pense qu'il faut virer ça là, non? Après lui, il est nul aussi là. Ce tour, je sais pas, c'est difficile la décision en vrai. J'avoue que je suis pas sûr que ça nous rende plus fort et les deux rôles sont cool quand même. Là, faut qu'on arrive à rentrer des hydres, des reborns sur tout ça. Le hara qui sert à rien. Il arrive. Ah, et y a plus personne à proc. Comment ça? Les deux rats, mais je veux pas jouer avec des rats alors que je joue une compo Goldrin Ara. Par contre, les joueurs d'élémentaire, ça peut bien me péter les couilles. Hein. Un joueur de bête, il va voir le joueur de bête. Oh, bah alors là. Oh mais ça c'est une scène ça. Je peux pas faire le pouvoir ce tour. T'aimais pas HP à moule? Non, parce que dans tous les cas, j'ai envie de faire HP sur lui. Lui, c'est une suffisamment bonne créature pour faire les HP dessus. Et j'allais. Si je faisais HP sur à moule, du coup, je finissais avec. Une créa dont j'ai pas envie. Pouvoir sur Cobra est pas bon, mais du coup, je vais avoir un râle d'agonie sur mon board. Je peux pas faire ça. Salut mon pote. Eh, salut mon pote.
votre crew a de l'énergie à revendre, je pense. Je veux pas vous mettre la pression, mais faudrait peut-être que vous embauchiez quelqu'un. Faudrait des huteurs. Il y a tout ce qu'il faut, là. Pour la justice. On s'en fout d'avoir ça. Ça, j'aime bien ça. Hein. Ma mat devient inutile. Non, parce qu'elle me donne des rip-up qui ont plus de points de vie pour commencer. Donc, c'est pas. Sans être extraordinaire, c'est pas inutile. Le dino est nul. Bon, le dino est pas si nul parce que, pareil, eux font des procs et du coup, ça booste mes barons. C'est pas le mieux, mais dans tous les cas, il me faut des bêtes sans râle d'agonie. Donc, c'est pas non plus comme si on m'avait proposé une hydre en fait. Hein. Oh shit, faudrait que j'attaque premier. C'est un peu chiant ça. Giga relou. Ah, le fait de pas avoir attaqué en premier, giga relou quand même. Oh. Je vais essayer de choper des haras là-dessus. Ah, une hydre, c'est pas mal. Hein. Celui-là, c'est un dur à cuire. Puisse Sénarus vous sourire. Ok. C'était important de mettre le boost sur l'hydre de Mama de manière à ce que ça se fasse pas défoncer par un zap. Et puis là, bah, faudrait évidemment tripler ce baron histoire d'avoir plus de bêtes. Pouvoir sur l'hydre. On va voir. Si je récupère un moule, ça peut valoir le coup de pouvoir sur un moule quand même. Murozon, bah il joue pas bête là-bas donc pas intéressant. Il y a des purotins qui rêvent de devenir des gros gars, mais pas moi. Moi, restez-vous dit, ça me va. En vrai, relou sa compo un peu hein. Genre la combo avec deux mantis de 3 Leroy, il s'est cru où lui? Non sérieusement. On est d'accord que le bougre est giga relou. Ah oui, final on rejoue contre Mutanus du coup. Ok, ok. Mutanus qui du coup... Ah oui, c'était sa grosse hydre qui était chiante. Va falloir, falloir essayer de jouer un peu autour. Ah, il faut soit tripler ça, soit...
Ouais. Hydre Furie des Vents, je suis d'accord que c'est encore pire que Hydre tout court, quoi. Je vais aller foutre le Reborn là-dessus. Jouer comme ça, je pense. Si j'attaque en premier, juste c'est bon, hein, mais bon, le jeu veut pas m'offrir ça, quoi. Ah ouais. Relou. Ah ouais. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça le fait. En même temps, on a fait de la magie cette game, hein. C'était de la dark magic. Mais c'est bien parce qu'on a un exemple de game de Jandis où vous n'êtes pas obligé de faire petit chat pour que ça se passe bien. La force du pouvoir, c'est aussi de ne pas pouvoir être boardlock et il y a d'autres cris de guerre dans le jeu que les...